taxi, j'essaie de pas trop m'exciter, mais bon, sinon, elle aussi, elle est en route là, donc elle aussi, elle est en route pour l'aéroport, on se retrouve là-bas, et voilà quoi. Donc nous, on a hâte, on est trop excités. Et oui, je sais, j'ai pas mis une perruque aujourd'hui, mais pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous avez pu un petit peu assister à mon craquage capillaire. Bon, je viens d'arriver à l'aéroport et là j'attends Nabila parce qu'il y avait du trafic sur la route. Donc je l'attends. Moi j'ai déjà check-in. Donc voilà quoi, excité. Il n'y a personne à l'aéroport donc c'est cool. Ça va aller vite. Et sinon je galère, il fait froid. Comme d'hab quoi, London. Et trop excité. Je vous dis pas encore où on va parce que dans son d'ici là vous le saurez, hein, on aura tout posté sur les réseaux sociaux et tout, mais j'attends qu'elle arrive pour qu'on vous le dise ensemble quoi. Donc voilà. Et là on voit bien la couleur de mes cheveux, hein. Ils ont bien pris violet donc je suis contente. J'ai fait une pigmentation Crazy Color. J'ai fait le rouge bordeaux et ça m'a donné ça. Donc voilà, ça fait, c'est vraiment un bordeaux quoi, violet, violet et j'aime bien, je suis contente. Par contre, ça dure pas longtemps quoi. Là, je l'ai fait il y a une semaine et à chaque fois que je me lave les cheveux, on dirait qu'il y a eu un meurtre dans ma baignoire parce que c'est tout rouge. Enfin, mais bon, c'est le prix à payer. Hein. C'est le prix à payer pour avoir les cheveux violets. Elle est là. On est parti. Attends, on le dit. Okay. Bon, ça y est. Ouais. On part à Las Vegas. Super. Parti. En fait ils nous ont fait galérer parce qu'à la base ils nous ont dit votre avion il est en retard jusqu'à 22h. On est censé partir à 11h30. Ah oui, à la base on était parti censé à 11h30. Après cette nuit ils m'envoient un message et ils me disent oh votre avion il est delayed, enfin il est en retard pour 22h. Donc gros cauchemar. Et moi je dis à Nabila vas-y c'est bon on y va quand même quoi. Et en fait à la fin du compte notre avion il est delayed à 1h, mais à la fin du compte on arrive à la même heure à Las Vegas. Donc en fait faut pas les écouter quoi. Donc et voilà, n'écoutez jamais les compagnies, ouais. Parce qu'ils vont tout faire pour éviter de dîner avec les gens. Voilà exactement. Donc les écoutez pas, s'ils vous disent que votre avion il est en retard, allez-y quand même. Moi j'ai fait la mongole, j'ai dit oh bah je savais pas. Et puis voilà quoi. Donc on carré. Bon on est pas encore arrivé, déjà faut get check-in, après on vous tient au courant. What's your destination? Las Vegas, New York Fast Terminal. Je parle pour toi. Là, on a une grosse attente à l'aéroport, mais bon, c'est pas grave, au moins. De toute façon, il faut qu'on filme une vidéo. Ouais, on va filmer. Donc, on devait la filmer à New York, mais en fait, on va la filmer ici. On fait quoi là? On passe à la sécurité maintenant? On peut passer à la sécurité et puis après, on se pose dans un café. Ouais. Tout le monde nous tape chelou parce qu'on vlog. Attends, par contre, si on vient, on va mettre déjà ton miroir. On va aller ranger le trolley et tout, et on va mettre le gros miroir. Parce qu'on a pris un miroir pour se maquiller, parce qu'à chaque fois dans les hôtels. C'est un cauchemar. Et on a ramené tout le matos. Non, moi j'ai pris 3 sacs de maquillage. Alors que en plus je sais rien que je vais acheter au moins 4 sacs de maquillage là-bas. Et bon, tout va bien quoi. Allez, c'est parti. On va aller au Boots. Acheter 3 trucs qu'on a besoin quoi. Et puis craindre quoi. Et après, on va manger quoi. Parce qu'on a rien bouffé. Et ça va être spécial. En plus, moi je suis malade. Faut que je prenne des gros médocs. T'as fini tes antibiotiques là? Non, je n'ai pas fini. Et puis voilà toi, excité. Et gros Vegas, moi j'y suis déjà allée, Nabila elle a jamais été. Donc trop excité d'y aller avec elle quoi. Et alors attends déjà gros bouteille d'eau. Une bouteille d'eau aussi ou pas? Ouais. Les viands là? Ouais. Non, moi je préfère avec le bouchon. Mais il y en a moins d'eau, non? Je prends ça moi. Ah non, mais il n'y a pas de bouchon. Je prends ça. Ça passe, c'est kiff-kiff, non? Là, mais là c'est kiff-kiff, regarde. 1 litre. C'est écrit où là? 1 litre ici. Ouais. Ah, ok, bah nickel.
On va filmer notre fac. Donc on a placé la caméra en plein milieu du restaurant, sans pression, au calme. Et sinon le restaurant il est trop joli. Ça s'appelle Wonder Tree, I think. Ouais, Wonder Tree. Ouais, alors attends. Déjà faut que tu zoomes parce que c'est trop... Ouais. Et c'est trop mignon, il y a une espèce de longue vue là. Je sais pas si on voit dedans. Bah on doit voir mais j'arrive pas à voir quoi. Non, c'est, je crois qu'on est... Ah non, là ça va pas, là c'est bon. Là, c'est bon là. Ouais. On commence à filmer maintenant ou pas? Ouais, vas-y. J'ai pris un gros smoothie. Moi j'ai pris un smoothie aux protéines. Attends, parce que je me suis pas refait la tête. Non mais de toute façon c'est bon, en plus je suis pas prête. Bon, du coup faut qu'on s'active parce qu'on vient de faire une petite pause shooting. Parce que je vais préparer... Ouais. Je vais préparer un petit lookbook à Vegas, donc du coup ça démarre dès maintenant, genre. Donc c'est parti. Non mais il nous faudrait trop cette voiture. Il nous faut cette voiture pour tous nos bagages. Parce que franchement, faut arrêter de se trimballer dans tout l'aéroport. Faut arrêter de s'échauffer quoi. Finally. T'es contente? Trop excitée. Trop excitée. On va se calmer parce qu'on n'y est pas encore. Ouais, non mais déjà on n'arrête pas de s'exciter l'arrêt depuis tout à l'heure, hein, donc va falloir se calmer l'arrêt quoi. Trop de ré, tu l'arrêt. Cauchemar. Déjà on est décollé à 11h35, il est 13h45 quoi. Ouais, on a un gros retard. En plus on a une connexion, on a un autre vol à prendre après et là ça va être spécial. Ça va être spécial, il va falloir qu'on court quoi. Ouais, parce qu'en plus faut qu'on recheck in nos bagages. Le truc improbable quoi. On va s'échauffer encore une fois quoi. Franchement ça va être chaud hein, quand même hein, quand je pense. Oui. Mais bon. C'est par quoi. When you are in your seat, ouais, bah oui. Bon alors comment vous dire, voilà notre espace de vie. Faut arrêter de s'étaler quoi. Il y en a partout. Il y en a partout. Entre nous, par terre. Donc là on va se faire un gros masque. Parce que l'avion c'est terrible quoi pour la peau. Et vu qu'on va pas envie de se retrouver avec des gros boutons pendant toutes les vacances. Ouais, donc voilà quoi. Bon alors là on vient de se démaquiller. Et on va faire un gros masque. Moi je vais mettre... celui-ci là, au miel. Tu fais lequel toi, le celui-là aussi? Je vais faire le miel aussi. Ok, bon bah on fait toutes les deux le miel. Normal, au calme. Aucun pépère. C'est la famille. Je se passe. On a rien respecté encore une fois. Là. 2h30, ouais, 2h33 de vol.
Donc on est ici. Merde, attends. Donc voilà, on est ici, on est au Canada et on arrive bientôt à New York. Donc c'est cool. Et sinon on a sympathisé avec l'hôtesse de l'air et elle nous a donné la petite trousse qui donne au business à la classe business class. En première classe, qui donne en première classe. Et franchement, c'est trop bien. Il y a des petites chaussettes. Pour les mains, les bras. Attends. Il y a des produits de la marque Kaochet. Et donc il y a un lip balm, enfin. Ouais. Un baume pour les lèvres. Une crème pour les mains. Une petite serviette pour se rafraîchir. Une brosse à dents. C'est quoi ça? Comment tu floss? Ouais, du fil dentaire. Du fil dentaire. Ah ouais, il y a un peigne, j'avais pas vu. Ouais. Un peigne. Un cache. Un masque pour dormir. Des earplugs. Earplugs. Des boules caisses, des désinfectants pour les mains, un stylo, de la menthe, des petits mouchoirs, un petit dentifrice, et puis voilà quoi, une jolie trousse. Elle est jolie, hein, franchement. Donc voilà quoi, on est contente. Ouais. On arrive à New York. Empire State Building. Là-bas il y a la Statue de la Liberté, mais on la voit pas. Donc bon bah là maintenant on n'a plus qu'à attendre. Moi je vous avouerai que. Je vous avouerai que je commençais à sentir, à vraiment ressentir le jet lag entre Dubaï, Londres, New York, maintenant New York, Las Vegas. Je suis un peu perdue dans le temps. Mais bon, c'est pas grave, c'est les vacances, donc on va en profiter. Ça y est, on vient d'arriver à Las Vegas. On est dans l'aéroport. Et ça commence les machines à choux. Machines à choux. Et ça commence les machines à sous dès l'arrivée. Vous voyez, c'est un aéroport. Il y a des grosses machines.